plus de 500 kilos de sachets et 8200 tirettes ont été saisies à bord de deux véhicules. Et un troisième véhicule nous a échappé. Et la police est en train de mener des investigations pour trouver le troisième véhicule et les propriétaires de ces marchandises, parce que nous avons pu mettre la main sur deux véhicules et deux chauffeurs. Par décret du 8 août 2018, l'interdiction des sachets, l'interdiction de vente a été édictée par décret. Et une période de plus ou moins une année, parce que depuis le 22 août 2019, plus personne ne peut vendre des sachets, sauf les sachets dits industriels, mais les sachets d'usage courant que l'on trouve dans différents marchés pour comme emballage ou autre, la vente a été interdite. La valeur est d'à peu près 7 millions de nos francs, mais ce n'est pas la valeur qui compte. Ce qui compte, c'est le fait d'interdire solennellement tout ce qui est vente illicite, tout ce qui est vente de fraude. Le dénonciateur aura certainement aussi une sorte d'intéressement. Je vous dis par exemple, il y a les deux véhicules qui vont payer de l'amende. L'amende provenant de la sanction, le calcul de 10% sera donné au dénonciateur. Jusqu'à preuve du contraire, toute marchandise de fraude doit être détruite. Les propriétaires ils vont être sanctionnés conformément à la loi, d'abord civilement et pénalement. Ils peuvent même écoper une prison jusqu'à 5 ans.